Hello tout le monde! Non, c'est, putain, c'est super perturbant! Bon, il y a la voix de Kirby qui est juste là. Hein, donc, si je fais des têtes bizarres. Putain, la démarcation! Tu sais pas mettre du fond de ta meuf! Enfin, bon, de toute façon, on s'en fout parce que vous voyez cette tête qui est problématique? Eh ben, c'est bientôt fini! C'est bientôt fini! Oui, elle est problématique cette tête. Ben, regardez-moi ça, on est sur une catastrophe. En plus, mon père a eu la bonne idée. Mon père a eu la bonne idée de péter des murs hier. Du coup, il y a des poussières absolument partout. Et on a jusque dans ma chambre mon MacBook qui avait une couche de poussière comme as. Pour lui rendre justice, il a juste cassé le plâtre. Hein. Voilà. Donc du coup, j'ai un peu une tête de savant fou parce que mes cheveux ont pris la poussière également. Là, je viens... C'est vous, Doc ? Donc là, je viens de faire le ménage. Regardez-moi ça, comme c'est épuré dans cette cuisine. Waouh! Waouh! Et là, j'ai mes draps qui sont évidemment en train de se faire lessiver parce que si mon MacBook a pris sa poussière, imagine dans le drap de lit. D'ailleurs, je suis retombée malade à cause de toutes ces conneries. Pourquoi? J'ai trop pas fait exprès! Je savais que ça allait partir en couille. Je suis retombée malade à cause de toutes ces conneries, sachant que j'ai de nouveau hyper mal à la gorge, que je n'avais plus aussi mal à la gorge. Donc c'est la joie. Pour te dire, la nuit, j'étais en train de suffoquer, il y avait de l'humidité, de la poussière dans l'air. Quoi. Je suis la seule à avoir eu cette sensation cette nuit. Ouais. Oui, évidemment. Bref, donc, ici, je vais finir de m'occuper de mes draps. J'ai fait un coup dans ma chambre et cet après-midi, un rendez-vous important chez le coiffeur qui va un peu sauver cette situation, j'espère. Voilà. C'est parti pour une énième soupe dans la vie de Ninis. Je suis désespérée, mon linge n'a pas été essoré et c'est l'angoisse monumentale. Putain, ça saoule. Et franchement, je me réjouis d'aller chez le coiffeur. Là, j'en peux plus de ma tête. Là, comme ça, je peux plus me voir. J'ai l'impression de voir un truc. Enfin, un truc, quoi. Donc, voilà. Dans une petite heure, grand départ. Et voilà. Voilà. Je suis tellement pas motivée. En fait, cette histoire de là, je m'a cassé les couilles. Vous savez bien, moi, il me faut pas grand chose pour que je sois un peu énervée, contrariée. Ah, voilà, il ne faut pas grand-chose. Donc là, je vais manger ma soupe tranquille. Et après, je vais tout doucement rassembler mes jeunes, comme on dit, pour aller chez le coiffeur. D'ailleurs, je suis bien contente qu'ils aient su me caler un rendez-vous. Parce que, putain, j'en peux plus de cette tête. J'espère que ça ira, qu'on saura faire un truc joli parce que j'aimerais que mes cheveux repoussent correctement et j'ai pas envie de refaire du cours, donc voilà. Et puis là, j'ai besoin de changement, j'en peux plus. C'est... Y a plus rien là-dedans, y a plus rien. Voilà. Bon, du coup, je vais essayer d'aller faire mon lit aussi pour avec d'autres draps hein, parce que je pense que ceux-là, je ne les récupérerai pas tout de suite. Hein. Et voilà. Bon, voilà, en ce moment, c'est un peu le chantier par là. Alors, pour ceux qui ne croyaient pas à ma maladie, voilà ce que je dois à gérer tout le temps. Et là, il y a le sirop pour la toux. C'est le chantier sur ce bureau. Ah, là, il y avait des trucs que Chine m'avait offert pour Noël. Je vais peut-être vous les montrer. Alors, nous avons ceci, qui est super mignon. Nous avons des pins. Pour les tabagues, c'est magnifique porte-clés. Je prends mon pistolet à colle avec, tout va bien. Et justement, celui-là, je l'avais vu et j'étais oh, j'aimerais trop l'avoir. Et bah voilà, Chine a trouvé comment rendre Ninis heureuse. Ceci, c'est une trousse, ça c'est pour la poubelle. Ceci, c'est une trousse, c'est super joli. Je sais pas trop. J'hésite à remplacer celle que Chine m'avait faite pour les pinceaux et utiliser celle de Chine pour autre chose parce que les pinceaux, ça lisse énormément. C'est un truc de fou, quoi. Et deux petites serviettes. C'est de la collection automnale. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Et celle-ci, c'est de la collection des 25 ans.
Voilà, c'est super mignon. J'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore arrangé mes trucs pour les placer, mais voilà. Il va falloir que je mette les choses en place. Mon bureau était rangé un peu avant la fin de mon stage. Et c'est de nouveau le boxon. Ah oui, ce truc-là, je ne le prends plus. J'essaye de suivre un régime équilibré. Et voilà. Voilà, voilà. Ça y est, les gars. Après 3 heures de travail sur ma tête. Ta-da ! Eh oui, j'ai pas pu résister au blond, tout ça. Donc j'y suis un petit peu revenue. J'ai enfin une coupe qui ressemble à une coupe, les gars. J'ai plus cette foutue queue de rat. Bon, alors là, on est le soir. Demain, je pars chez Fred, mais pour les vacances. Donc je vais devoir descendre ma valise qui est là au-dessus. Et commencer à préparer mes affaires, parce qu'il y a 2 semaines à préparer quand même. Et voilà, j'aimerais avoir mes trucs de près. Donc je vais déjà commencer à préparer mes histoires. Maintenant que mon problème de coupe est réglé, hein, parce que les fêtes, comme j'étais là, c'était plus possible, j'en pouvais plus de voir ma gueule. Et franchement, ça fait du bien de changer. Hein. En plus, ils sont super brillants, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Voilà, je vais devoir ressortir mes shampoings bleus d'ailleurs. Poids bleu, c'est quelque... Non, ça c'est mon matériel de... Voilà, alors j'en ai un ici. Et j'en ai un deuxième. J'ai bien fait de ne pas les donner au poids finalement. Voilà le deuxième. Donc j'en ai encore assez bien pour un petit moment. Et regardez s'il ne faut pas des choses ici tant que je suis là. Masque pour le visage. À mon avis, il commence à monter. Oh, le fond de mon pot. À mon avis, il ne doit plus rester grand chose là-dedans. J'en ai des machins. Et encore, ça c'est pas tout. Ça, ah ben ça, je vais prendre chez Doudi aussi. Un petit savon de Noël. Voilà. J'ai aussi le tiroir. Rituals, à mon avis, il n'y a pas que des trucs rituels. Regardez, moi, ça. On a une très calcaireuse ici à RTL. Donc voilà, j'ai quelques trucs, hein, disons-le. Ça, je vais ressortir parce que j'ai le mains rêche. Bon, ça, c'est un produit pour les mains. Donc ça, je vais m'en prémunir aussi. Ça va faire du bien. Et voilà, je pense que j'ai ce qu'il me faut, sachant que j'ai encore le coffret, le nouveau coffret de rituels chez Fred. Donc voilà. On est bon pour les produits. Voilà, mon bureau est plus ou moins dégagé. Il me reste ça, mais ça je vais le prendre avec moi demain. Je risque d'en avoir encore besoin d'ici là. J'ai mis l'essentiel dans ma valise. Regardez, Luna Rosa est prête. Hein. J'ai pris ma valise parce qu'il y a encore Squishy, Mini Quish, Bébé Kimby, Mouton et notre nouvelle amie Lanifleur. Je sais pas si je l'ai déjà vraiment présentée. Je vous présente Granit. C'est Doudi qui a choisi le nom. Et c'est Doudi qui m'a offert Granit. Voilà. Il est trop mignon. C'est un nifleur, un bébé nifleur. Il est trop chou. Non, vous trouvez pas? Je suis tombée amoureuse de la créature. Il est trop mignon, on a envie de lui faire des bijoux. Ouh. Voilà. Et bon. Après, il y aura 2-3 trucs. Ma tablette, mais ça, elle rentre dans mon sac à main. Voilà, et ce qui m'embête, c'est que là, j'ai mes 2 gros coussins Kirby, sauf qu'ils sont toujours trempés, et bon, voilà. Ce qui fait que je n'aurais pas pu partir ce soir, vu qu'il faut encore que mes draps sèchent. Ils sont toujours dehors en train de sécher. Un squishy! 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 J'adore faire ça avec. Avec Mini Quish, c'est peut-être un peu moins flag. Voilà, voilà. Donc je vais partir avec tout ce petit monde. Mon copain adore. Mon copain adore. Et voilà. Voilà, je me suis mise en tenue de combat. J'ai ouvert mon lit. Et bon, il est que 8h30, mais je vais déjà me mettre au lit parce que demain, c'est une journée aussi chargée. Et voilà, je suis crevée. Je suis crevée, les gars. Voilà. Donc, à dans 2 secondes. Ça a été compliqué de vlogger ce matin. Là, il est presque 9h. Voilà, il est presque 9h.
je suis déjà prête. Enfin, prête, il faut encore que je me change pour aller au marché de Noël des petits. Parce que je vais sur mon lieu de stage au marché de Noël. Je ne sais pas si je l'ai dit hier. Donc, voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Voilà, j'ai une chambre prête pour mon retour dans 2 semaines. Aérer, ranger, machin. Enfin, ranger plus ou moins, hein, plus ou moins, parce que bon. La valise est faite, elle était sortie. Et voilà. Voilà, voilà. Prête pour le départ, quasi. Hein. Voilà, il est midi. Je viens d'arriver chez Doudy. Et là, je me pose un peu. Et puis après, je vais me changer et tout doucement envisager de partir pour le marché de Noël. Parce qu'il est déjà bien tout ça. Le temps a passé de ouf. Et je m'attendais pas à ce que ce que j'avais à faire ce matin allait prendre plus de temps que prévu. Donc voilà. Mais ça va, je suis pas à la bourre non plus. Mais ça a pris plus de temps, quoi. Et voilà, je suis prête, je fais jingle jingle de partout. J'ai mis ma robe avec mes Rodolphe. Voilà, regardez-moi ces boucles d'oreilles, j'adore. Je vais faire sorsas. Je viens de rentrer. Il est 9h moins quart. Et il faut encore que je tourne votre vidéo du calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Vendredi 19 décembre. Donc elle va arriver en retard, mais je vais la faire une fois que j'aurai fini ça. Quelle soirée inimaginable, franchement l'ambiance était là, je peux pas en montrer ou en dire plus parce que bon bah voilà, secret professionnel machin, mais c'était ambiance. C'était un truc de fou et franchement c'était vraiment sympa, ça fait du bien de se retrouver dans une équipe comme ça, avec une ambiance pareille, donc si une de vous passe par là, je suis très reconnaissante, parce que franchement, ça fait du bien. Après mon vécu d'avant, il est vraiment temps que je finisse mon année, que j'obtienne mon diplôme pour faire vraiment cette vidéo, où je vais pouvoir vous dire ce qui m'est arrivé, et en parler plus posément avec le recul que j'ai maintenant. Hein. Mais là, pour le moment, je préfère garder le silence. Hein. Mais franchement c'était vraiment super sympa et ça fait du bien de voir qu'il y a des équipes comme ça et voilà, si tout le monde pouvait être comme ça, ça serait merveilleux, ça serait merveilleux. Bon, maintenant moi je vais aller tourner ma vidéo du calendrier de l'Avent, je suis déjà presque en position, il faut que je mette mon smartphone sur mon trépied et voilà voilà. Bon bah voilà, je me fais couler un petit bain, hein, comme vous pouvez l'entendre, avec un petit bain moussant que Mathilde m'avait offert à mon anniversaire. D'ailleurs, il commence à être bien entamé. Mathilde, toi-même, tu sais que je vois demain. Que je vois demain. Et je vais tester, que j'ai pas encore testé, mon nouveau savon du pack de Rituals. Hein. Ce serait temps. Et me démaquiller avec mon savon au lait de chèvre qui commence vachement à perdre du poids. Hein, je pensais comme des maquillages en perso. Voilà, voilà. Donc, c'est le moment de se mettre cool. Parce que là, je suis au bout de ma vie, les gars. Bon, les gars. Je crois bien que là, je vais m'endormir comme une grosse merde. Dans le canapé. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie, là. Oh. Donc, je vais arrêter le vlog là. Parce que je suis... Je suis morte. Je suis complètement morte. Oh, mini quiche. Je suis morte. Bon, je pense que j'ai assez filmé. 2 jours de vlog, c'est bon, là. Je vous dis donc sûrement à demain pour la vidéo du calendrier de l'Avent. Je verrai s'il y aura d'autres vlogs pour le 2019. Je suis fatiguée. Oh, je suis vraiment fatiguée. Je vous dis donc à la prochaine et prenez soin de vous. Bisous.